comme un soleil. Tu te vois, hein? Oui. Avec quoi? Avec mon huile, mon lait. Oui, le lait de toilette. C'est où? Mon lait qu'on m'a acheté. Oui, mais t'es belle, hein? Oui. T'es trop belle. Elle est une grande fille. Mais tu sais qui a nuit de prière aujourd'hui, hein? T'es prête? Oui. La maîtresse est là, tu l'as vu? Bonjour, mes frères. J'en suis en direct. Tu te prépares, tu es content de me voir? Oui. T'es sûr? Oui. Je te manquais. T'es sûr, bébé? Je ne veux pas que toute la journée j'ai pleuré. T'as pleuré? Oui, l'autre jour j'ai pleuré parce que tu es parti. D'accord. Et là, maintenant, tu es contente? Oui. Pourquoi tu es contente? Parce que tu es revenue, papa. Oui. Et tu m'as fait un très gros câlin, hein, tu sais. Et je suis contente de te voir aussi, tu sais. Moi aussi. Tu m'as trop manqué. Si tu vas tout manquer. Là tu vas où? Je vais me mirer. Tu vas te mirer? Ok. Attends. À propos, c'est le direct. D'accord, tu veux qu'on commence bien le direct, hein? Samuel, viens filmer. Le mouillot. Oh yo. On y a encore. L'anglophone. On y a encore. Voilà. Donc, nous sommes, on se prépare pour la grande nuit des flammes. Tu sais, c'est tout à l'heure, ce soir. Hein. Tu sais qu'il y a une nuit de prière aujourd'hui. D'abord à manger, papa. Tu veux me faire manger? Je connais. Je connais. Tu es là, ne me touche pas là, il y a le caméra ici. Oui. Ok. Tu peux me servir à manger? Quoi? Je peux... Tada, il ne va pas loin, il n'y a pas de micro. Comme il n'y a pas les œufs là, il faut te courber, grand, te courber, on finit papa, pas. Comme il n'y a pas les œufs, je vais essayer de te préparer quelque chose. Tu as un peu parlé, ma petite. Hé, papa, arrête! Mais t'es petite, non? T'es ma petite. Ma petite princesse, tu vois. Ouais. Tu vas faire quoi, manger? Je vais te préparer. Attends, mamie. Tu vas préparer quoi? Je vais préparer des frites. Ah non, non. On m'a dit qu'il y a la salade. Allez, on défend parce que oui, je vais te préparer. Je vais te préparer les salades. Attends. D'accord. Et ça, si je peux ta poupée, ta jolie poupée. Elle s'appelle comment déjà? Mickey Mouse. Hein? Mickey Mouse. Elle s'appelle Mickey Mouse. Bonjour Mickey Mouse. Bonjour grand-mère. Elle veut manger. Mais... Elle veut manger. Oui, porte-la. Tu la tiens comme ça? Oui. Elle pleure. Tu dois la bercer parce qu'elle pleure. Hein? Mickey Mouse pleure. Voilà. Elle dort. D'accord, dort. On fait le direct par rapport. Là, elle veut me faire la salade, apporter la salade. Yeah. Voilà, chers téléspectateurs, par la grâce de Dieu, nous avons la nuit des flammes. Baisse-vous, caméra, celle-là. Nous avons la nuit des flammes ce vendredi et je serai présent. Ce sera un moment extraordinaire de communion profonde avec le Saint-Esprit. Je voudrais exhorter chaque parent à être là, chaque famille à être là, chaque jeune à être là. Et le Seigneur nous amènera très loin. Merci. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus, je voudrais t'encourager, t'exhorter à ne pas manquer.
Waouh. Qui, papa? Ta fille, ma ho, Samuel, on filme pas du haut. Ça, c'est compliqué quand tu donnes la caméra à un pianiste. Ah, pardon, maman, prends-moi le téléphone. Attendez, attendez un peu. Je vous ai manqué. On va déguster. Oui, dans la poupée, j'entends ma maman. C'est une fille ou un garçon? Une fille. D'accord, je la tire comme ça, ok? À côté de la pochette. Je gravirai des montagnes pour cette belle maison que toi tu m'as donnée. C'est ma belle maison. La sauce vinaigrette, c'est sucré ou c'est salé? T'as goûté? Hein? Ok, je suis dit, papa. Non, laisse la sauce. Avec la cuillère, avec la fourchette. Donne à papa. C'est comment? C'est sucré. D'accord. Alors tu te nettoies la bouche comme ça. Papa. Ah bien sûr, hein. Tu sais, hein. Ok. C'est bon, je peux me servir. Oui. Timina. Hein? Il y a les fruits. Bah, après les fruits, bébé, je commence par les fruits d'abord. Tu sais, parce que avant de manger, tu manges les fruits, tu attends 15 minutes avant de prendre, avant de continuer, tu vois. D'accord. Tu vas avec elle à la cuisine. Tu vas porter la. Tu vas porter comment? Rose, ma maison. Je vais me faire. Il y a que la passée. Les fruits sont finis au marché. Jemima, viens prier. Viens alors. Prie, prie sur mon repas. Père, sanctifie ces nourritures, bénis ce qu'ils ont fait. Amen. Nous puissions dire sa prière. Amen. Amen. Non, c'est toi qui vas prier sur mon repas parce que tu pries vite. Hein? Toi, tu pries rapidement, je te dis. C'est toi qui pries. Désolé pour mon repas, ok? Ok. Bon. C'est la nuit des flammes aujourd'hui. Viens, on va inviter les gens. Après, je vais la caméra, s'il te plaît. On va inviter les gens à la nuit des flammes ce soir, à partir de 21h à la bière. Ok? 21h. C'est la nuit. Oui, la nuit des flammes, c'est toujours la nuit, ok? D'accord. Invite alors tes amis, les enfants. J'aime tes parents, tout le monde. Merci alors. Merci et je vous invite à la nuit des flammes à 21h à la bille. Et ça va chauffer parce que Jésus va nous bénir et très 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 fort. Amen. Voilà, bien-aimés, de retour de cette retraite, nous rendons grâce à... Ah, Jemima, calme-toi, ma fille. Le monde des enfants est à part. On est obligé parfois d'entrer dans leur univers, parce que pour eux, c'est réel. Et il faut entrer dedans pour leur équilibre. Voilà, ce soir, par la grâce de Dieu, la nuit de flammes sera extraordinaire. Comme Jemima a dit, le Seigneur Jésus nous fera du bien. Je vais t'exhorter à être là. Nous allons passer un moment extraordinaire. Tout ce que je peux vous dire. Je rends grâce à Dieu pour la télécommande, la nuit fondée le matin. On bêche. Donc, voilà. Samuel. Samuel. Nous avons passé un très bon moment dans la présence du Seigneur Jésus. Sa fidélité a été notre bouclier. Et Dieu a permis que nous soyons là ce matin. Donc, je voulais tout simplement te dire que je suis... là, et je serai présent ce soir. Et dimanche, nous aurons un très grand culte.
avec consécration des enfants à l'Éternel. Vous savez que c'est la période des examens. On doit prier pour les enfants et mettre à disposition des big wine, des stylos wine. Donc, pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Merci pour les vœux de joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, c'est gentil. J'étais beaucoup touché par l'engouement, l'effervescence des bien-aimés. Et c'est encourageant. Je voudrais finir en disant à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, par la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth, que nous serons à Abidjan du 5 au 7 juillet, tous les soirs à 17h, dans la salle de la Synepsie à Yopougon, Sable, voilà. Nous serons là-bas et on va passer 3 jours, 4 jours ensemble. Le programme vous sera détaillé. Retenez déjà que du 5 au 7 juillet, je serai là-bas. Je veux dire merci à la Côte d'Ivoire, merci pour l'accueil. Et je pense que par deux fois en Côte d'Ivoire, j'ai été marqué par les bien-aimés dans l'avion. Dans l'avion, je me souviens, la première fois, moi j'avais pris mon billet économique, classe économique. Et quand je suis entré dans l'avion, le pilote m'a reconnu et m'a dit non, prophète, vraiment rester en business class. Et j'étais triste en business parce que j'étais seul en fait. Et je leur ai dit que non, moi je voulais aller en éco. Et ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, ah, il y a mon ami là-bas et mon frère. Et je dis, prophète, calme-toi. Donc, ils m'ont dit non, non, ça va, laissez, on va l'amener. Et on l'a aussi amené. Et j'ai été touché par cela. Je rends grâce à Dieu pour cela, ton doigt. Je bénis Dieu pour cela, parce qu'il est fidèle. La deuxième fois aussi, je suis arrivé à l'entrée, j'avais moi mon billet éco là. Et la dame a vu. Elle dit non, prophète, ok, asseyez-vous. J'ai dit non, mais mon ticket là, c'est éco. Elle dit non, asseyez-vous. Et ils m'ont mis en classe à faire. Et ils ont tellement pris soin de moi. Et la Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie. Vous savez, lorsqu'une terre respecte les hommes de Dieu, elle doit prospérer. On voit la différence à tous égards. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous aimons le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je reviendrai. Nous aurons une conférence d'impartition cette fois encore. Ce sera, je pense, samedi le 8. Nous aurons une conférence d'impartition samedi le 8. Mais l'innovation, c'est que j'aurai une rencontre personnelle avec les partenaires de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se démarqueront pour être partenaires de cette œuvre missionnaire, j'aurai une minute avec chacun d'eux, je pense, à mon hôtel ou bien à un endroit qui sera indiqué. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous tout à l'heure. Soyez connectés massivement à partir de 21h, heure du Cameroun pour la grande nuit des flammes. Shalom, bye.